Coucou mes scrapettes et mes scrappeurs. Petite vidéo tuto courte, très très courte. L'idée n'est pas de moi. Mais ça fait un moment déjà que je voulais vous la faire. Et puis le temps passe et repasse et encore et encore. Mais nous allons faire un petit truc sympa. Attendez. Voilà. On va faire ce genre de choses ensemble. Enfin, on va le faire. Non, je vous explique. Non, je ne suis pas là pour vous montrer comment faire une lettre anonyme. Eh non. Ah, fallait que je vous la fasse quand même. Hein. Non, c'est récupérer des mots dans nos publicités, nos catalogues, nos... Et les coller sur une feuille tout à fait basique hein, d'imprimante. Moi, j'ai récupéré ça parce que je trouvais que c'était très joli pour faire une carte. Voilà. Et en fait, après, vous voyez, moi j'ai déjà fait une feuille complète. Donc là, il y a au plus près la fête, septembre. On peut récupérer des mois, des chiffres. Là, j'ai récupéré 190, 75, numéro 48. Collection Cœur d'automne, mon jardin fleuri pour automne, Halloween, varier les couleurs de l'automne. Enfin, on peut récupérer plein de choses dans nos pubs, nos... Et après, voilà, on les fait soit en couleur, photocopie, soit en noir et blanc. Bon, là, j'ai un peu raté parce que j'ai un peu coupé là, le beurre, j'étais mal mise. Mais vous voyez qu'après, on les garde. En fait, on les met dans des pochettes, on les garde et on peut les refaire encore et encore et encore. Il y a aussi des publicités. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous les montrer, ça, par contre. Foire au vin, et ben il y a des mots avec les régions, comme sur mon groupe Facebook, il y a des régions. Donc vous avez Bordeaux, vous avez Alsace, vous pouvez récupérer ces mots. Moi j'ai récupéré 76. Ouais, parce qu'on fait pas de vin en Seine-Maritime. Donc 76, Seine-Maritime, on peut récupérer tout un tas de choses. Là j'ai récupéré. Moi je les coupe grossièrement comme ça, vite fait dans les trucs, puis après ben, je m'amuse. Allez, non, c'est pas celui-là, c'est... Ah, voilà, regardez. Hop, après, je les coupe proprement. Et je prends de la colle basique, hein, bâton, décollier, et je les colle sur ma feuille. Voilà, et je fais plusieurs feuilles. Et puis, ça nous fait des mots gratuits en français. Je sais plus sur quelle vidéo j'ai vu ça, mais je voulais vous le partager. Et puis, je suis désolée si la personne qui a fait la vidéo passe par là, me fait un petit coucou. Je suis désolée, je ne me rappelle plus. J'ai un gros trou là. Je suis vraiment, vous voyez, hop, je découpe proprement. J'essaye d'être à peu près droit. Moi, quand je les colle, j'essaye de laisser un espace pour bien découper. Là, c'est en route pour l'aventure, une petite carte aventure sur les livres de bricolage. Vous pouvez faire une feuille. Bon, là, moi, j'ai un peu tout mélangé, mais j'aurais dû faire une feuille avec que les trucs de jardin, une feuille Halloween. On peut faire tout un... Là, c'est parce que j'ai fait ça vite fait. Mais on peut faire ça, quoi, une feuille de mots Halloween. J'aurais dû faire ça, d'ailleurs. Vous voyez, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai récupéré des chiffres, là. J'ai récupéré des trucs de ma région, château de Martinville, le parc de Claire, abbaye de Jumièges. On peut récupérer tout un zoom sur la vie, inspirer tout mon jardin, des tendances, inspiration. On peut récupérer tout un tas de mots que on peut garder après. Donc je vous disais, alors je ne vais pas vous la montrer, je ne sais pas si j'ai le droit, mais sur les publicités de vin, en ce moment, c'est la foire au vin. Eh bien, vous pouvez récupérer les noms de votre région, par exemple. Alors là-dessus, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Vous voyez, une pub, je fais de la pub. Eh bien, juste là, regardez, j'ai anniversaire. Alors là, j'essaye de couper au plus droit. Hop, je les mets de côté, je les mets dans une petite boîte. Et puis, le soir, ou quand j'ai 2 minutes, eh bien, vous voyez, super, regardez ça, je peux le récupérer. Hop, vous voyez, je coupe grossièrement au début. Alors, les catalogues de meubles, les catalogues de vêtements, il y a tout un tas de choses. Alors là, par exemple, regardez, je peux récupérer la vie. Voilà, vous voyez,
la vie. Hop, c'est là. Voilà, je peux récupérer unis, tous unis. Voilà, je faut feuilleter. Alors il y a des fois on trouve rien, hein, ça, voilà. Il y a des fois, hop, on trouve rien. On essaye de bien coller. Colle bâton, ça suffit largement. Parce que j'ai même des mots sur celui-ci où, vous voyez, pour une rentrée, c'est un peu plus épais, puis ça colle très très bien, quoi. Alors là on a quoi? Là on n'a rien. Et on fouille. De toute façon, elles vont à la poubelle après. Donc, vous voyez, il y a septembre, on pourrait récupérer. Il y a des choses comme. Où est-ce que c'est? Ça, par exemple. Ça, je l'ai récupéré. Vous voyez ça? Je vais garder ce côté-là, mais là, je vais mettre en embellissement. Ça ferait une étiquette pour un junk, un album. Vous voyez, il y a, des choses comme ça qu'on peut récupérer. Et sincèrement, je suis désolée. Hein. Au fait, la méchante fille. Comment allez-vous, mes scrapettes et mes scrappeurs? Moi, ça va. Fatiguée, mais ça va. Oh, le ciel, il est... Alors là, on a un petit rayon de soleil. Mais alors, ce matin, c'était une vraie cata. Une vraie cata. Là, alors, c'est fou, voilà, un truc tout bête. Je sais pas, vous voulez faire un album ou un junk? Où est-ce qu'il est? C'est là. Hop, c'est comme ça, je fais ça. Hop, et après, je regarde, il y a c'est fou, il y a le mot carte, il y a le mot simple, vous voyez? Hop, là, je vais tout mettre de côté et je trierai au fur et à mesure des choses, voilà. Là, il y a le mot jour. Voilà. Oh, il y a même un mot, vous allez rigoler. Hop, vous voyez. Hop, je découpe grossièrement. Ouais, vous allez rigoler. J'ai un truc là, c'est. Non, c'est pas là. J'ai anniversaire. Attendez, c'est. Strass et paillettes, j'ai récupéré. Mais non, c'est un autre truc. Souriez, scintillez, brillez. Ah, mettez des paillettes dans votre vie, j'ai récupéré. Ouais, j'adore. Et tout ça, je mets dans une boîte, je découpe et puis je colle après. Puis ça fait. J'aurais dû le faire avant. Hein. J'aurais dû le faire bien avant. Après, il y a des belles images comme ça pour faire une petite carte. C'est super sympa. Alors ça, on peut le mettre sur une feuille à part. Moi, je vais vous le coller là, la va-vite. La fille qui fait les choses. Vite, il y a des dates, on peut récupérer des dates, plein de choses, plein de petites choses. Bon là, oui, il n'y a pas grand chose. C'est, voilà quoi, y a, là il n'y a franchement pas grand chose, non le chien. Il n'y a pas grand chose. Bon, il y a des fois, il n'y a pas grand chose, hein, mais sur d'autres pubs, on trouve plus de choses. Des trucs. Alors, au moment d'Halloween, par exemple, au moment d'Halloween, il y a. Voilà, on peut récupérer. On peut récupérer des trucs. Bon, là, vous voyez, sur celui-ci, il n'y avait pas grand chose. Non, là, il n'y avait pas grand chose. Mais bon, voilà, vous avez compris le principe. J'ai récupéré anniversaire, super. Voilà, on met dans une boîte, on découpe. On colle, on laisse des espaces, on peut les photocopier. Donc on les garde, ça c'est nos prototypes, on les garde bien sûr. Et on les photocopie, soit en couleur, soit en noir et blanc. Bon, moi j'ai un. J'aime bien en couleur, j'aime bien aussi en noir et blanc, hein, mais j'aime bien en couleur. Je trouve que ça ressort. Vous voyez, les plaisirs tout choco. Vous voulez faire une petite carte chocolat, voilà, des trucs comme ça. Il y a heureux, vos envies, famille, des familles, les coutures, là, au cœur, octobre, des fantômes. Dans une bulle, mon jardin pour tous, au plus près, il y a vraiment des choses super sympas, quoi. Super sympa, parce que c'est vrai que oh, noir et blanc, c'est aussi joli, hein. Collection cœur d'automne, c'est. Alors on peut mettre que collection et cœur d'automne à part, par exemple.
C'est tout à fait facile. Puis après, faire des jeux de mots. Oh là là, heureux. Voilà, on peut faire des jeux de mots avec les mots qu'on trouve. Mais au moins, ça nous fait des mots qu'on peut garder. C'est vrai qu'on a du mal à trouver des mots en français. Et puis après, on s'en sert pour certaines occasions. Donc moi, je vais finir mes petits découpages. Bon, là, j'ai plus rien à découper. J'ai fait toutes les pubs. Et c'est vrai que... Il y a peu de pubs. Très peu. Moi, j'en avais gardé... Ah oui, j'en ai trouvé une là. Elle est trop mignonne. Licorne Bonnie. Et puis, j'ai la petite licorne qui va avec. Ah, oh, je la kiffe, celle-là. Je la trouve trop chou. Vous avez toujours... Bah, vous allez dans les magasins, vous récupérez les pubs, par exemple. Puis, vous faites le soir, en regardant la télé... La recherche de mots, de choses, voilà, où vous demandez aux copines, aux copinettes s'ils ont des catalogues qui leur servent à rien, et puis voilà, à la famille aussi. Catalogue de Noël, il va y avoir plein de trucs. Eh oui, il va y avoir. Moi là, sur la vie et tous unis, je vais laisser la petite bordure noire qui est au-dessus, je trouve ça super sympa. Il y a, alors là, j'ai l'arbre, alors je vais pas mettre. J'ai récupéré 3 ans aussi pour si on veut faire une carte d'anniversaire. Là j'ai récupéré magique, là j'ai récupéré aventurier, là j'ai récupéré une passion. Bon, j'ai dit mettez des paillettes dans votre vie. Anniversaire, là je non Stitch, là j'ai récupéré juste les initiales KB et je ferai un tag ou un truc comme ça. Là j'ai l'arbre. Je vais enlever là la pub, je vais juste garder le rond avec l'arbre. Sur l'autre publicité, j'avais gardé un rond. Ouais, vous voyez, une plante. Et j'ai gardé ça. Ça peut servir pour faire des tags, des machins, des trucs. On peut trouver plein de choses gratuites. Avant de les jeter, on fouille, on découpe, on colle, on met dans une petite pochette et on a plein de choses. Mais c'est vrai que moi, pour mon groupe, il y a des fois, bon là, j'ai trouvé, voilà, Abbaye du Jumièges, machin, 76, des vieux journaux. Des vieux journaux. Si votre voisin prend les journaux, bon, bah, vous lui demandez, c'est quand il a fini, s'il s'en sert pas. Hop, vous récupérez, il y a des mots, plein de mots dans les vieux journaux. Moi, j'en ai quelques pages, je les ai rangés. Faut que je fouille. Voilà. Plein de choses que vous collez sur des feuilles basiques d'imprimante. Hein. Vous savez, celle à 80 grammes, là, hop, vous collez, vous laissez de l'espace pour pouvoir bien découper si vous voulez faire des rebords, des machins. Et puis, bah, voilà quoi. Après, vous pouvez, c'est ce que je vous disais, vous pouvez faire une feuille si vous avez beaucoup de mots sur automne. Vous pouvez faire une feuille sur les mots Halloween. Vous pouvez faire une feuille sur le mot printemps, sur le mot anniversaire, sur le mot jardin. Vous pouvez faire tout ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto inspiration, comment récupérer des mots gratuitement, vous aura plu. Je vous dis, hein, c'est pas de moi, hein, il y a quelques tutos qui passent hein, sur YouTube. Hein, et bah, je voulais vous le partager parce que, bon, bah, voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo quoi que ce soit, mais au moins, voilà, vous l'avez sur ma chaîne. Sur ce, mes petits loups, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Ça me ferait très très plaisir. Et je vous dis à bientôt, mes loulous. Bisous, bisous.